Bonsoir, bonjour les Tillman, nous sommes dans cette vidéo de Tomb Raider aujourd'hui. Et ben on va aller dans l'eau. Parce que c'est cool d'aller dans l'eau, écoutez, attends. Quand vous utilisez l'arc pour tirer des objets. Attends. Attendez quoi? Attendez, quand vous utilisez l'arc pour tirer vers des objets enveloppés d'un. Enveloppés de cornes. D'accord. Je suis juste en train de voir s'il y a éventuellement un secret par ici. Et j'avais bien raison. Alors, il n'y avait pas de truc intéressant. Mais c'est pas grave. Là-dedans, rien non plus. Que dalle. Nada voilou. Je suppose. Est-ce qu'il y a des trucs qui sont au rebord de la cascade? Ça m'étonnerait. Bon. Alors, voyons voir. Est-ce que je peux éventuellement passer par là? Non, je ne peux pas passer par là. J'ai les bras trop petits, on va dire. J'imagine que je vais essayer d'utiliser la corde. L'arc. Voilà, ça devrait pouvoir m'aider à grimper. Parce que c'est très, 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 comment dire. Oh là là, non mais là, c'était beaucoup trop de trucs, là. Je sais pas si je peux appeler ça un screamer, hein, mais c'était beaucoup trop fourbe, je dirais. Alors, je peux peut-être monter par là. Non, 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 non. Oula. J'ai eu de la chance. Je vous avoue que j'ai eu de la chance parce que là j'ai cru que j'allais me casser la figure là pour le coup. Voilà, j'avais juste un petit problème avec mon chronomètre, mais tout va bien pour le moment. Pour le moment. Alors, il doit bien y avoir un moyen de monter donc. Je sais pas si c'est une connerie que j'ai fait de. Ok. Et mais je sais pas si ça compte comme des flèches. Ah d'accord, j'avais juste fait la connerie. De faire des conneries. Oui, je le suppose. Purée, les flèches, j'ai que ça, des armes. Mais vous pouvez pas me mettre autre chose que des flèches? Ça va, je commence un petit peu à avoir plus de munitions, j'ai l'impression. On va essayer de passer lentement. Ouais, plutôt. Non, non, on va plutôt utiliser. Mais non, non, je veux utiliser ça. Est-ce que je peux grimper ici? Qu'est-ce que c'est que ça? Rien d'intéressant, j'ai l'impression. Est-ce que ça va servir à quelque chose? A priori, non. Ça me semble un bon endroit pour s'accrocher. Ok. Et si je tombe, je meurs? Je veux dire, je peux pas remonter en fait. Je vais pas essayer. Je vais éviter d'essayer. Ouais, et on va aussi en faire un pour là. Oh, je crois qu'on va plutôt passer par là. Hein. Ça a l'air plus, comment dire. Bon, déjà il y a du matériel, hein. J'allais dire du matériau. Pouf. Alors moi, je suis fort. Alors, oh, un point de compétence. D'accord. On va pouvoir essayer de changer ça, j'imagine. J'ai pas l'impression que ça change grand chose. Bon, on va descendre par là, discrètement. Je dis discrètement. Discrètement. Non mais, descends. Ça va. Tout va bien pour le moment. Ah là là. Voyons voir. Gauche ou droite? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se cache ici? Non. Personne a priori. Il n'y a pas de secret, j'ai l'impression. Non, non. Je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui s'y cache derrière. Bonjour. J'ai eu peur juste parce que Lara elle a allumé la torche. N'empêche Lara c'est MacGyver, la façon qu'elle avait fait, qu'elle avait créé la torche lors de la. Oh, j'ai eu peur. Je suis contente de te voir. Je peux en dire autant. Tout se passait très bien et puis il y a eu cette tempête. Elle est venue de nulle part. Ce n'est pas de ta faute, Lara. C'est moi qui les ai fait venir, Ross. Hé, on trouvera un moyen. Mayday, Mayday. Ici le copilote Jessup de l'avion November 177 Alpha. Allô? Allô? Vous m'entendez? Je me suis blessé en atterrissant, j'ai besoin d'aide. Y a quelqu'un? Capitaine Jessup, vous m'entendez? J'ai envoyé un fumigène, répondez.
C'est pas vrai, il m'entend pas. Je vais à sa rencontre. Non. Son signal est par là. Nous devons d'abord aider nos compagnons. Il faut qu'on se regroupe dès qu'ils auront trouvé Sam. Je peux pas le laisser tout seul là-bas. Je dois lui venir en aide. Parfois, il faut faire des sacrifices, Lara. Tu ne peux pas sauver tout le monde. Je sais. Je connais les sacrifices. Non. Tu connais la mort. Un sacrifice, c'est un choix que tu fais. La mort, c'est elle qui te choisit. Je ne choisirai pas de le laisser mourir, Ross. Ah, j'ai eu peur, j'avais cru voir Mathias là pendant une seconde. Bon, passons par là du coup, pour aider le monsieur, le gentil petit monsieur, qui est quand même venu nous chercher et que son pote, eh ben, il est mort, hein, on va dire ça comme ça. Alors, j'observe... Oula! Il déconne pas cela. Oula! C'était peut-être pas la meilleure des solutions que j'ai eues là. Je vous avoue, j'ai... Voilà. Mais t'es résistant toi! Mais viens! Normalement c'est le contraire, c'est moi qui te fuise! Voilà, c'est bon. Non mais... Normalement c'est vous qui... C'est moi qui fuis et c'est... Voilà. Y a quelqu'un, Ross? Je suis là, Reyes. Quelle est la situation? On a suivi un groupe d'hommes jusqu'à une espèce de ville, cet endroit. C'est de la folie, Ross. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Je ne suis pas sûr d'avoir envie de savoir. Des nouvelles de Sam ou de Whitman? Rien pour le moment. Tu es avec Lara? Oui, on ne va pas tarder à venir vous rejoindre. D'accord. On va essayer de s'approcher un peu. Reste sur ce canal. Est-ce que je peux foutre le feu à ça? Parce qu'il y a un livre en fait derrière. Mais déjà il y a ça. J'aimerais savoir ce qu'il y a. Par contre la maison risque pas de cramer comme ça. Très courant dans la médecine japonaise par les plantes, appelées kan. Ce sont probablement des champignons maïtake, des champignons des fous dansants. Ils sont utilisés pour renforcer le système immunitaire. D'accord, en fait il y avait un truc à zoomer. Mais ça l'a fait à l'avance. Donc pour le coup j'ai pas compris. Mais c'est pas grave. Alors, je ne sais pas comment atteindre ce livre. Il y a peut-être quelque chose, je ne sais pas. Est-ce qu'il y a... Peut-être qu'avec Clark. Non. Non, ça ne fonctionne pas. Bon, on va éviter de faire l'idiot. Oh, un rat. Ah non, c'est un lapin, d'accord. On va quand même garder notre petit jouet. Hein. Oh, on va mettre ça... Ça va être plus simple maintenant avec le feu, du coup. Ça va empêcher de venir... Oh, mais... Mais voilà. Alors, où est-ce qu'il est le fumigène? Ah, d'accord, il est pas loin. D'accord, c'est bon. On va passer comme ça. Alors, j'espère... Ah oui, d'accord, c'est vraiment une ville. Où sont les méchants? Je ne sais pas. Mais il y a l'air d'y avoir des petits trucs ici. Mais quoi? Mais viens, mais il faut s'il te plaît. Lara, ça pourrait nous aider. On n'est pas passé par déjà par là. Si, si, j'ai l'impression qu'on est déjà passé par là en fait. Oh, ah d'accord, mais en fait on est de retour en bas. D'accord. Ah bah en même temps c'était un petit peu vrai aussi. D'accord, donc peut-être qu'en réalité je peux faire comme ça. Ah bah c'est génial. Je suppose. Est-ce que je peux descendre? Non, je suis obligé de me jeter dans le vide, la limite. Pour récupérer du matériel. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne sais pas ce que c'était, mais c'est pas grave. Bon! On va peut-être monter en haut, comme ça on essaye de trouver quelque chose, éventuellement. Voilà le signal. Est-ce que c'est un peu chaud d'aller là-bas directement? Non, d'accord, on doit faire un par un. Je m'en doutais un peu, je l'avoue.
J'espère juste qu'il n'y a pas de fourme là qui va venir me choper au dernier moment, j'imagine. Non mais descends, s'il te plaît, merci. Voilà. J'ai beaucoup de mal avec les touches quand même. Bon après c'est normal, hein, je dis. Oula, oula, oula. Non, 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 non. Bonjour. Je vois une tête qui dépasse. Est-ce que vous pouvez venir? En fait, le truc c'est que je m'attendais pas à avoir l'arc en main en fait. Je m'attendais à avoir le fusil l'autre. Du coup, c'est drôle, on voit des petites têtes qui dépassent. Allez, sors ta petite tête. Non, 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 mais tu me vois, je sais. Oh, c'est pas la meilleure idée que... Est-ce qu'il va me balancer d'autres... Est-ce que j'ai un moyen de revenir en arrière? Mais où est-ce qu'il est? Je le vois pas. Je peux le viser éventuellement. Est-ce que je l'ai eu? Voilà, c'est bon. Ah non, mais là... Excusez-moi, mais là pour le coup c'était vraiment le stress. Hein. Je m'attendais pas à avoir de gens là devant moi. Et je m'attendais surtout pas à avoir ça comme arme en fait. Si je tombe, je meurs, j'imagine. Je ne pense pas que je puisse remonter. Je regarde, j'essaie de voir si je peux remonter, mais. Ça m'étonnerait. Oh! Un passage secret? Je suppose. Il y a beaucoup de trucs qu'on est en train de grimper là. Ok, d'accord. C'est éventuellement un raccourci pour retourner là où on était. Alors, a priori, il y a pas mal de choses qu'on aurait. J'imagine que c'est un passage plus rapide pour. Ah, mais non, mais en fait, on peut pas remonter là. Bah oui, j'imagine que c'est logique vu que le pont est pété maintenant. Bon, j'imagine qu'on pourra toujours revenir ici. Donc ça va. Par contre, du coup, au final, au début, je pensais que les flèches étaient... qu'on perdait les flèches, en fait. Mais au final, non. Enfin, non, on perd les flèches, justement. Voilà, on va garder ça au cas où. Nouveau tombeau proche. Oh ! Je vous propose qu'on aille faire un tour, histoire de terminer la vidéo. Parce que, écoutez, les tombeaux... Par contre, je ne suis pas rassuré du tout. Parce que, ok, le premier tombeau, il était très gentil, tout mignon. Mais là, le tombeau, il va venir me dire bonjour. Il va faire, eh Ben, psst, Screamer. Je suis sûr, il y a des loups ici. Regardez, il y a des trucs rouges déjà. Là, c'est pas bien. Là, déjà, je suis pas bien. Une pièce d'un fusil. Oh. Alors déjà, on casse des trucs... on casse des Ragnawak. Arrêtez de faire des zooms comme ça. Ah, par contre, c'est vraiment joli, hein, ici. C'est vraiment... très beau. Après, je ne sais pas si c'est habité, ici. Hein. A priori... Wow. Ça a l'air très grand, ici. Hein. Vraiment. Mm-hmm. J'observe. Alors, il n'y a pas de point de sauvegarde, a priori. Enfin, quand je parle de point de sauvegarde, c'est vraiment un endroit pour s'arrêter. Ouais, ça a l'air plus grand que d'habitude ici. Donc, je vous propose qu'on fasse une pause et qu'on cesse là-dessus. Alors, moi, je vous dis bye tout le monde et partez bien, mes tubes.